Je vais emmener le Evolutia en bataille, mais d'abord, je vais lui mettre le camouflage anniversaire de Wargaming pour augmenter mes gains en argent et en XP. Et aussi, ce que j'ai oublié tout à l'heure, je vais lui mettre un commandant. Je vais prendre celui du Krasny Krim. Voilà. Hein, sachant que quand on change un commandant d'un navire premium à un autre, on ne perd pas, on ne doit pas le réentraîner. Donc, il peut faire plusieurs bateaux successivement. Donc, bah, je vais l'emmener en bataille. Donc, bah, je vais essayer d'avancer ma mission pyromane. Donc, je vais le charger en HE. Et puis voir ce que ça donne quand on tire du HE avec. Alors, on a 3 tirs 4. En face, ils en ont 1, 2, 3, 4, un de plus. D'accord, je suis au bout de l'équipe, quasiment. Que la bataille commence. Défendez notre base. Porte-avions là-bas. Alors, on a destroy, ils en ont pas. Ils ont trois croiseurs, on en a deux. Et trois cuirassés et un porte-avions de chaque côté. Voilà, pas rentrer dans le New York. La tourelle du milieu, là, est toujours. L'avant-dernière a toujours du mal à s'orienter. Ainsi que la deuxième. Bon, on devrait commencer à voir les ennemis là. Personne qui couvre la base là, hein. S'ils passent par le haut. Cible repérée. Il y en a deux par là. Non, on ne voit plus rien, c'est nos avions qui vous avaient repéré. Je vais retourner par là. Voilà, ils sont en paquet ou quoi là? Avion ennemi en approche. Un peu court. Danaï, il a pris les coups là. Ah, c'est pour moi qu'il l'ai eu. Avion ennemi en approche. Un incendie. Hey, y en a un qui va vers notre base là, les gars. Faudrait peut-être défendez notre base. vous en préoccuper un petit peu.
pénétrer. Oh, pénétrer à la hache. Il va bientôt regretter hein, de s'être mis dans ce guépier. Qui va être pour moi. Ouais. Bon. Encore un incendie, c'est bon pour ma mission. Notre équipe a capturé la zone. Il brûle bien là. Hein. Verrouillé. Étoile de bataille. J'ai pas vu qui avait gagné. Et on a gagné. Minorme, on a tout détruit. On a tout détruit. Superbe. Étoile de bataille, 1350 d'expérience, 14 000 d'argent. Alors, 32 de coupe à canons principaux, 7 secondaires, une citadelle, un avion détruit, un bateau détruit, 4 incendies, une zone capturée, 19 000 de dégâts avec les canons principaux, 1000 avec les secondaires. Et quasiment 6000 incendies qui viennent s'ajouter, je pense, aux 19 000. Qu'est-ce qu'on a fait? 26 000. Bon, c'est pas terrible. En face, ils ont réussi à faire quasiment 50 000. Bon, ils ont eu un zéro dans l'équipe. Bah, nous aussi, tiens. Allez. Alors, on a fait... Ah, bah, j'ai fait MVP aussi, tiens. On a fait 35, 29, 26. En face, ils ont fait 49, 35, 28. Ah non, on n'a pas tout détruit, on a dû prendre la base. Il faudra que je regarde la vidéo à nouveau pour savoir ce qui s'est passé. Bon, bah, de toute façon, on a gagné, c'est le principal. Alors là, j'ai dû faire des missions. Et voilà, j'ai fait deux missions. Hop, je vais pouvoir mettre du pétrole pour la flotte. Et là, j'ai eu un petit coffre. Et dans le bulletin, dans le blitz de victoire, je reçois 6 heures. Du camouflage Wargaming, anniversaire, et une petite clé. Bon, pour une caisse moyenne, donc caisse moyenne, j'ai pas de bateau à gagner dedans. On va toujours aller la prendre. Hein. Caisse moyenne, échanger. Et encore 6 heures de camouflage anniversaire, 25 000 d'argent. Et des conduites de tir, des schémas. Et là, c'est canon principaux. Bon, bah c'est pas mal. C'est toujours bon à prendre. Bon, bah le bateau, c'est bien débrouillé. Je trouve qu'il tourne quand même assez bien pour un cuirassé.
Son artillerie là, a fait le boulot pour les incendies, donc bah, bonne bataille, hein, je suis satisfait. À bientôt. En regardant à nouveau la vidéo, je me suis aperçu qu'elle était le parfait exemple de ce qu'on appelle un effet tunnel, c'est-à-dire que moi-même et surtout le reste de l'équipe ennemie étant tellement concentrés par le combat que nous n'avons pas vu qu'un de nos destroyers prenait la base ennemie et nous assurait la victoire. Foncer sur la base ennemie est toujours une stratégie dangereuse, comme le prouve l'échec de nos adversaires. En effet, ce n'est possible qu'avec des bateaux rapides. Donc, si l'ennemi est vigilant, il pourra y opposer un nombre supérieur de navires. Par exemple, des croiseurs et ou des cuirassés pour arrêter un raid de destroyers. À bientôt!